Donc on s'est arrêté la semaine dernière au milieu du Hafetz Chaim. Donc comment les témoignages de son fils et les témoignages de son petit-fils. D'accord, son petit-fils qui s'appelle Rav Zvi Hirsch Sachs. D'accord, donc son fils a dit « Lo ik pit klal, im yashavti bimkomo, bebeto, ou betamidrash » Il était mal à pit si je passais à sa place, à la maison, betamidrash. « Oh, il me dit parti, ve yashavti al-devara, ou si je l'ai contredit, ve abedibou manashim » Et des fois, il parlait avec les gens, et moi, je l'ai contredit devant les gens et tout. « Ou mishim zé, lo nizav ti bezeklal » Jamais il m'a dit « Attends, c'est pas de manière, là, jamais !»« Quel lo nizav nous klal, be yashav nous be » Beyahad l'échol, les hakot chez Atril ou d'attendre que d'abord lui commence à manger, ensuite nous on mangera. Bacher aura ilo samoulibam klal lazé. Ils n'ont même pas fait attention à ça. Par contre, alors je vais vous poser l'efkéro là-bas, non. Non, nam, ishgia alenu yom valaïla. Beshaja yahimanu, les haveret à Torah, ve mitzvah alenu, ve chol houché nafcho, mesourim ayou lazé. Il était ailleurs, il dit notre papa est ailleurs, il ne s'occupe pas de ces choses-là, ne t'assois pas, ne me contrôle pas, ne parle pas à ma place, attends que je commence à manger. Bichlal, Bichlal, c'est pour occuper de ça. Mais il était Yomam Valaïla. Chaque fois qu'il est avec nous, il est Havel et Torah. Ah, Torah de Chakra, c'est beau, Torah. Ah, comme ils sont belles les mitzvot, comme c'est pour ça. Les Chon, le Rocher, Nafcho, tous les rouches, les. Comment on appelle en français les sens, voilà. Tous les sens de son être. Et des mesurim. C'est de ça qu'ils ont aimé. C'est de ça qu'ils ont aimé. C'est de ça aussi. Et voilà, et pourtant il a dit voilà. Et regardez, donc je redis le premier paragraphe. Incroyable. On tombe des nues. Voilà, écoutez bien ça. Écoutez ma foule. Voilà, écoute, écoute. Ma mâche. Il a pas cru. Regarde, il te dit comme ça. Beto, l'onahak de Mora, qui albanab, dechel albanab al-Rodab, ou margala befoumé tamit, qui. Mais qui bouda va'em, nizar nous mirat. Un peu, il nous disait, allez, qui bouda va'em, amène un verre d'eau. Qui bouda va'em, un petit peu de rien. Aval be'ish, qui mou va'im tira ou nous en. Jamais il a été mazirat dans sa vie. Bachir l'obali a de nous le choupané mécan, qui it aller imanou qui rade à incroyable. Moi, j'ai eu cette question. Le gars Israël n'a pas fait attention à être mécayem be'kiyoum. Be'kiyoum, c'est le misvar de Zavon. Un petit peu qui boudavait, il en faisait un petit peu, tu comprends? Mais la notion de Avivé Motirou, l'Obalan le Gaïm, pourquoi? Parce que c'était plutôt comme un frère et un ami. Incroyable. Comme un frère et un ami. Qui est le bon, c'est théorique, mais ça ne me concerne pas moi. Moi, je suis votre frère, votre ami. Incroyable. Ça veut dire que la mitzvah, elle dépend du père? Ou ça veut dire qu'il n'a pas fait la mitzvah? C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça veut quoi? C'est un vipouar ça. Si le père il est mochel sur cette mitzvah de Kibbud Avaim et de la vie de Jamelo, est-ce que ça s'appelle qu'il est monnaie de son fils mitzvah ou qu'il voit ça? C'est un vipouar, il faut trouver un concours à la phrase. Mais on voit que par rapport au Dirhénou, il dit il ne sait pas occupé ça. Il gagne plus à être mochel sur son. Il gagne plus à être mochel sur son. Ah, il est un ratachoua. Et 20 ans, et ça, ça répond pas au vipouar. Si. Vu qu'il gagne plus en kibbud avaim et en ira, en étant mouré, en finalité, les enfants auront vers lui un kibbud et une ira démesuré. Il peut mettre un petit rao. Hein? Si. Mais ça, c'est la fin. Ah, c'est même pas là. C'est machin là. Sauf c'est un héritimse d'arriver encore mieux à ça. J'y arrive encore mieux. J'y arrive pas ponctuellement maintenant, mais dans ma large, j'y arrive encore mieux. C'est sûr que ses enfants et ses petits gens et tout, et ses petits-fils, ils ont dû le vénérer. Il faut voir, d'accord. Donc, faut, moi, tout le temps, ça fait des années que j'ai connu ce truc-là. Alors, donc, comment ils s'en sortaient avec cette mise-là? Moi, j'ai bien aimé s'en sortir. À long terme, oui, ils s'en sortent. C'est mes pinottes, mec. C'est mes pinottes, quoi, éternif. La Chouan dit, les gars, mon mère, tu comprends? T'as dit, t'as fait. Be'inyan hinou khayeladim. En isoukhe shahab ishaïm tsa'ak alenou iba. C'est le petit-fils de Rabbi Haïti, je ne me souviens pas une seule fois qu'on a entendu crier sur lui. Toi, ce aussi, quand tu cries, les voisins, ils entendent. Tu comprends? Et lui, on a. Moi, je crie sur les voisins. Tu
דרכנו עם, הקדוש חפץ חיים דרש שבחינוך אין לדבר בדרך קשה עמו. פופה פרלי ג'ורמון על זה. כמו שראינו ביצחק אבינו עליו השלום, שלא ציווה את בנו לשם קשה, אלא הקדים לבחו, ואחר כך אמר לו שלא ייקח אישה בבת גנעה. נפים ברכה את דיוק לשם סופי, לפופה יפה בשם גנעה. הוא אומר, אין לדבר קשות, אין לצעוק של איזה פעם. ואת אביקו כמה נפחר, הנמי, Bon, un petit peu mettre la nikouda sur le bout de la veine. Pas faire un plat de toute la l'alcool de l'Ira. Incroyable. Alors, par contre, Yomam Valaïla, les Havev et la Torah, 20 mitzvot, les Cholonoufchen Afcho. C'est une autre ambiance. On est ailleurs. Incroyable. Chafetz Chaim quand tu entends ça. Regardez maintenant ce Rabbi Yerucham, incroyable ce Rabbi Yerucham. Imada. L'Oyodéa est très son otaf. Un homme ne connaît pas ses défauts. C'est l'otaf. C'est pas bien. Kevan chez l'Oyodéa m'a fait une taquette. Il sait pas qu'est-ce qu'il doit être une taquette. Il sait pas ses défauts. C'est pas bien. Oulam! Mais, oi va voy, malheur de malheur, et madame l'Oyodéa est ma otaf. Si un homme ne connaît pas ses qualités, velo ma amine de grotaf. Tu comprends? Il connaît pas ses défauts. C'est pas bien, dommage, tu sais pas ce que tu vas réparer. Mais c'est pas si grave. Le malheur, c'est que tu as plein de qualités, tu les connais pas. Tu comprends? Donc le rôle des parents, c'est de faire connaître à leurs enfants les qualités. Regarde quelle qualité tu as, regarde comment tu es comme ça, regarde quand tu es comme ça. Regarde. Développer la connaissance de ces qualités. Oh, il va, boy! Et madame, le gars. Combien d'enfants ils disent? Je suis nul. J'étais une bar mitzvah, mon chef, dernier. Les années, le boss il l'a fait, dans la réussite de tout. Le premier mot qu'il m'a dit en ce moment, il dit, de toute façon, je suis nul. C'est tout ce que tu as à dire après tout ça. De toute façon, je suis nul. Tu comprends? Il y a où mon papa? C'est qui tu le fais? C'est d'abord, il te fait. Attends, mon frère. Quel homme? Le demain. Tu te rends compte? Après tout ça, il m'a dit, je suis nul. C'est le père qui parle. De toute façon, je suis nul. C'est terrible. C'était la voix du père. Ouais, exactement. Tu te rends compte? Oh, il va voir, il te dit ici, Adam, que Vanchi imoulou yodet ma'alotaf. Il ne connaît pas ses ma'alot. Azoulou yodéa im ezekouar la'avo de la'alot. Il ne connaît pas les kelim avec lesquels il va travailler. Ou l'eau maquillette qu'il y a d'autre. De quel kelim il dispose? L'autre il a la scie, l'autre il a le pinceau, l'autre il a la charrue. Toi, quels sont tes kelim? C'est des ma'alot. Mais j'en ai pas, je suis nul. De toute façon, je suis nul. Alors, ton compte te dit, ne pas connaître ses défauts, c'est dommage. Tu ne sauras pas quoi t'attaquer. Mais ne pas connaître ses qualités, oh, il m'a voulu. Il te dit, Shamati parmi les rabots, dans ma chère, quand c'est le Rav Shamo Fol, mais c'est ça. Mais chez le Rabbi Roucham. Et c'est pour ça dans le Aléchour, et le Kalef. Tu te rends compte, oh, il m'a voulu, s'il ne connaît pas ses qualités. Donc, nous, en tant que parents, on doit veiller, on le verra après, à chercher quelle qualité il a sur nous. Quelle qualité? Et dès qu'on a trouvé qu'il a une certaine qualité là, il sait faire ça, il sait faire ça, il a une bonne mémoire, il sait bricoler, il sait bien chanter, il a quelque chose à donner. Mets-lui en évidence qu'il connaisse ses qualités. Incroyable. Il te dit maintenant, Rabbi, Klounimous Shapira. Mais, bon, c'est difficile à dire, en tout cas, c'est le Chovat HaTalmidim. Admour, il est connu ce Admour, Chovat HaTalmidim. Il te dit, et un des. C'est des kelim que nous, les parents, nous avons. L'iknot et klev ayeled, c'est asimha. Asimha ou ehad mehikare aimzaim niknodo. L'iknot klev ayeled. Une maison où les parents sont tristes et font la tête aux enfants, c'est dramatique. Il faut être besibra. Nefesh ayeled vana'a et nasobelet la'azvout. Incroyable. Nefesh d'un enfant ne supporte pas la'azvout, la tristesse, la mélancolie, la. Il ne supporte pas ça. Rome. D'accord. Le Romain. Il ne supporte pas le Romain. Hein? Pas le recul. D'ailleurs, vous savez qu'un enfant, quand il voit que son père ou sa mère font la tête, il n'y a pas un problème. Il vient recevoir un PV, maintenant le compte en banque est comme ça, le truc à nous. D'accord. Mais lui, quand il voit ça, instinctivement, il croit que c'est à cause de qui? De lui. Il croit que c'est de sa faute. Il a peur, il est paralysé. Bon, tu as beau lui dire non, je dis c'est pas pour toi, rien. Tu as beau le rassurer, rien du tout. Il est sûr que c'est sa faute. Tu te rends compte? Donc, ça, c'est un yesod gadol.
La simcha b'toch ha'bayit. Simcha b'toch ha'bayit. Nefesh ha'yelet. Nefesh, quand on dit nefesh, ça veut dire les profondeurs, les tripes de l'enfant ne supportent pas la honte. Supportent. C'est d'accord ? Ici maintenant, lui-même, le Rav David me dit Tzarich, Amelamed et Ve'ahav, Lehapes, Ahar, Ezemidatova, Sheyesh Bayelet. On compte un prof, il a 30 élèves dans la classe, il doit chercher chaque élève, quel Midatova il a. Ah, toi, t'as Balazikaron, toi, Matvina Gadol, toi, Nahman Gadol, toi, Balhesana Gadol, toi, à chacun, il doit se casser la tête, quel Midatova il a. Pareil chez tous nos enfants, quel Midatova chacun de nos enfants il a. Tu t'en compte? Ou le chef Roba. Des Haskou ou les morts. Kamar, Sharab et Yecholet, chez le Gadlout, Batourava, Vodaba. Combien tu as de possibilités avec ça? Combien tu peux donner un Gadlout, Batourava avec ça? Tu comprends? On m'aide, les Khal et Matara, cette qualité va t'aider comme une Matara. Vehimrak ta'avod, ta gyalé. Si tu as travaillé simplement, tu verras, tu seras magué avec Gadlout avec ça. Avec le zikaron que tu as, avec la gentillesse que tu as, avec ce que tu as, avec ça que tu as, avec ça, comme j'arrive. Il dit évidemment, aval des serrés, des dates. Faire ça avec serrés dates, yaasoura, ben amen. Gaufen, chelou, yaoua, t'as mis des gaotes, voilà, vite, rajdou, d'aller. Attention, ne le fais-le avec mesure et date. D'accord, pas qu'il en vient à devenir un balgava, et au contraire, il ne va plus rien faire. Il dit, de toute façon, mon zikaron, ça va. Non, t'as tout cassé là. Tu as tout cassé. Mais lui, en surface, une belle qualité que j'ai trouvée chez lui, et aide-le que ça l'aide à travailler, à aller plus loin. Fais-le avec ses rêves. Pas tout au contraire, tu as de bigaé. Mais encore une fois, tout cas, adoré, c'est avec Arbi Rouham. Si un homme ne connaît pas ses qualités, quelqu'un est là pour travailler. Comme je lui donne un menuisier, je lui donne. Mais ouais, tu dis, allez, vous me sciez tous ces troncs d'arbres là. Et là où la scie? Ah non, il n'y a pas de scie, des voyous. Des voyous, comme l'autre, il a fait, il a envoyé son fils, il lui a dit, va m'acheter du vin pour le kidouche. Va m'acheter du vin pour le kidouche. Alors, mais il n'a pas donné d'argent. Il lui a dit, mais tu ne me donnes pas d'argent. Il y a haram comme toi, il peut se débrouiller sans argent. Il est revenu, d'accord, le vendredi soir, il a mis le verre de kidouche sur son père. Il lui a dit, où est le vin? Haram comme toi, il peut se débrouiller faire kidouche sans vin. Le conseil de l'homme. Tu comprends? Le gosse, le père, il a voulu être le haddad, le serré de l'enfant, l'enfant, il lui a dit. Un haram comme toi, il peut faire quelque chose. Non, parce qu'il lui a dit comme ça, il a dit, mais quel malade d'acheter du vin si je te donne l'argent? Quel malade d'acheter du vin? Débrouille-toi! Après, il a dit, quel malade de faire qu'il douche si on a du vin? Débrouille-toi, ça! Tu comprends? Regardez, maman, tu dois lui donner les outils, tu lui donnes pas les outils. Les outils, c'est de connaître ses qualités, au moins une. Casse-toi la tête. Pour lui trouver quelle qualité et c'est mis d'atofa. Qu'est-ce qu'il a de bien? T'en comptes? Des fois, c'est parce qu'on n'est pas forcément des professionnels de la psychologie. Il n'y a pas une formule générale qui permettrait de déboucler. On t'a dit la formule générale, c'est Ava. Quand on dit Elou Parim Shé, 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 Ava, c'est Ava, Ava. Tu l'embrasses, tu sais que je t'aime, tu l'embrasses, je t'aime. Deux formes générales, Simha. Simha, Simha. On va voir formes générales aussi, Sablanout. Il y a des Klalim, bien sûr, des Klalim Ava, Simha, Sablanout, des Klalim des Korielettes. Tu comprends? Maintenant, là, donner à chacun ses propres Klalim, trouve, prends la tête et maintenant, trouve. Chaque fois, tu comprends, tiens, celui-là, c'est vrai. Celui-là, il a un grand zikaron. Celui-là, Bémet, il a un hesed incroyable parce que. Celui-là, c'est un travailleur. Celui-là, il est soudain. Celui-là, il aime savoir l'heure à chaque fois qu'elle recommence et qu'elle en termine. Choléra, celui-là, il est bien. Tchaïda, tu lui trouves qu'est-ce qu'il a. Tu lui trouves qu'est-ce qu'il a. Et ça, tu lui dis, tu sais quoi? Avec ce pouvoir assez nerf que tu as, bah, tu arriveras loin. Avec cette connaissance de toi, tu arriveras loin. Avec ça, tu arriveras loin. Tchaïda, toi, tu as une belle voix, tu as une belle voix. Toi, tu vas aller faire des seins, wow, tu vas faire des plans. Là, là. Chaque fois, tu lui trouves qu'est-ce qu'il a. Tu le trouves, et forcément il a. Parce qu'il y a le roi, ça. Tu comprends? Il te dit maintenant, regardez comme c'est beau ça. C'est ça, le roi Rottenberg, tout le temps, il nous faisait ça. Il dit, bien sûr, quand on fait du moussard avec les enfants, bien sûr, petit à petit, ils apprennent le hignan, de se ramener au neige, bien sûr. Tu comprends? Mais ne t'arrête pas
que uniquement sera Onesh Avenesh. Non. Il te dit, il faut. Il crée Be'inyane Gadlout Nishmat Israël. Ou mitkarevet la chair, mitkarvuta la chair, vitaluta gar al mazar al achim. Moi j'ai grandi avec ça. Tout le temps je trouvais qu'il exagérait le Rothenberg. Mais combien de fois, des centaines de fois, j'entends là, qu'un Ben Israël, il est tellement karov la chair barach qu'il est même plus haut que le malachim. Tout le temps, j'ai baigné dans ça. Qu'un ben, un juif, il est plus haut que le malachim. Et j'ai toujours, senti que c'est une exagération, j'ai l'impression. Il n'y a que quelques temps que je commence à comprendre que oui, c'est vrai. Tu comprends? Mais ça, il te dit, un enfant dès son jeune âge. Bien sûr, on lui parle de ce rave et mais l'essentiel, Gadlout Nishmat Israël, combien c'est grand, combien un juif, il est carreau, la chaîne Gorach. Il est proche, il est plus haut que les malachim. Les malachim, ils regardent le juif comme ça. Et tu donnes des exemples. On voit que nous, quand on fait une bracha, on dit Baruch Ata Hashem. On dit deux mots, Baruch Ata, et on dit déjà Hashem. On a le droit. Et on lui parle directement. Alors que les malachim, d'abord, ils doivent dire trois mots avant de dire mon Hashem. Ils doivent dire Kadosh, 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 Hashem. D'abord, trois mots avant de dire mon Hashem. Et en plus, il parle lui. Il est Kadosh, il est Kadosh, il est Kadosh Hashem. Nous, comment Kadosh? On lui parle à lui. Baruch Ata, Baruch Ata, on lui parle. D'accord, on n'a pas le droit de dire Hachem tout de suite, non, toujours ils font un akdama. Mais eux, ils ont un akdama de trois mots, nous, il suffit d'un akdama de deux mots. Et en plus, on lui parle à Jean. Tu comprends? Et Gara, tu cherches, tu lis tous les inanimes, il te dit, Igra, Be'inyane, tu lis dans les Sfarim, tous les inanimes, dans le Midrashim et dans le Hinyakov, il te dit, tous les inanimes qui parlent de Gadlout, Nishmat Israël. Comme le Rav Tamber tout le temps, il disait, Kouchabriho, Israël, Be'oraïtahan. Kocha, combien de fois on entend ça? Kocha Brecho, Oraïda Israël Hadou. Kocha Brecho, Oraïda Israël Hadou. Kadosh Boko, la Torah Israël, c'est Hadou, tout ça c'est Hadou. Tu vois, donc il doit grandir dans ça. Et bien mettre à la fois du prêtre, du répète, ça lui rentre. Il dit Kiaf, chez Nefeshanahar, Nihnea, Mina Moussa, c'est vrai. Nefeshanahar, Nihnea, il se soumet. Quand il y a du Moussa, du Ronesh, il comprend ça, il va. אבל לא רק שאינה מתקרבת לנו וזה מלבד זה דרלם היא דיק שמרבלו דברי גדלות ישראל מכאן תיבד מרבלו דברי גדלות ישראל אז גם דברי המוסר יועילו parce que si tu ne t'arrêtes que דברי מוסר שכה ועונש זה תו ועונש c'est pas מקרב אותו c'est נכנב אז מקרב אותו mais quand tu le combles de גדלות ישראל alors les דברי מוסר de Onesh, Yorilou, Venefesh en Arar, Titaharer, Vizitaev. Il est Mitaev, il est là. Qu'est-ce que c'est pour un juif? Qu'est-ce que c'est pour un juif? Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, donc même de les divrer Onesh qu'on lui a parlé, au lieu d'être marnier tout simplement, mais de le casser un petit peu, tu comprends? Ça l'aide à ce Mitaev, Mitaharer, Mitaev. Qu'est-ce que c'est pour? Qu'est-ce que c'est pour un juif? Comment grâce à l'ambiance qu'il doit y avoir à la maison? Évidemment, Kama Savlanou, là il te dit, le Rabbi Shlomo Misvil, vous avez entendu parler, c'était vraiment extraordinaire. J'ai un sefer entier sur lui. Et là-bas il te dit, des redoutes. Alors un jeune Sfarat, il dit, oh, quand il est Niftar, il dit, oh, Rabbi Misvil, Asetik Misvil, Kara Vitzahab Vitrachout, Maya Iminu, qu'est-ce que je vais devenir, c'est voilà, Maya, Haïti Yened Azou Vizarouk. J'étais un enfant abandonné, jeté dans la rue. Ishlo Ratzal, Istaken Alaï, personne ne voulait regarder sur moi. Ivgal Galtiba Khovo, je traînais dans les rues. Yelet Sfaradi Natouche, un petit Sef Natouche abandonné. Mi'el Tamizra, Haïti Lo Yutzlah, Lo Mouchar, Lichoundava, je ne savais rien faire, j'avais nul. Yakontirak Diot Moucher, un voyou, c'est tout ça que je pourrais plus faire. Que mon collègue Ultima Azouvim de Otaret, comme tous ces enfants abandonnés à cette époque-là. Ah, Rabbi Asafni El Beto, il m'a trouvé dans la rue, il m'a pris à la maison chez lui. Veni Chartier Esdo, Kavua, les Chanim Rabot, des années entières j'ai vécu chez lui. Miki la Bar Mitzvah, Bilbal Tilo et Taroche, j'étais mes Balbello et Taroche, tellement j'ai fait des soucis. La Rabbi Haïti Yeled, l'homme est fouta, j'étais ma fouta, l'homme Haïti Mouchard, l'homme Avoda, l'homme Chundaba. Un poids dans la maison. Bisrout Arabi,
מצאתי גם פרנסה, גם התחתנתי, הקמתי בית, בית שומר מצוות, וכל זה מכוח הסבלנות. כמה סבלנות, כמה ידיעה, מי חשב שממין יהיה דבר כזה? אוי אוי אוי, איזה צדיק, איזה קדוש, כמה סבלנות היה לי בשבילי, כמה סבלנות. רגון רבי מסביב, לתחום עם פתיס סבל על הרוי, אבנדונה, אילה פרישה לי למזון, ולא בר מזמן, ז'וסקו מריאש, לזנה אלה בקושבי. סיבור סיבור. אילו פה הקומה, כמה סבלנות. ידעני לי, כמה בלבלתי לו את הראש, לרונדו פו. שרונדו פו, שאתה בלוקה, שאתה נו, שאתה נהיה פרק, בלבלתי לו ראש. שכמו, סבלנות, סבלנות, סבלנות. סבלנות, יפה, זה לגרום מוס. אי, לחזוניש, חזוניש. כמובן, דוי, קובץ סיגרות, כל החזוניש. איתי ההנהגה צריכה להיות, c'est des réponses qu'il a écrites, vous savez, dans le Corée Cigarotte, que tous les maires, les parents ou les directeurs lui écrivent des locs. Et donc, ils ont pris des petits ktaïm comme ça. Anahagats Rialiot, Savlanouti, Tieteran. Une grande patience, une grande patience. Ou Karvo Benirimout, Velivlo, Kolak Shaim. Aval, Aval, Kolak Shaim. Achimina Shamaïm Irahu. Niachamaïm. Comment il est là, mais il fait rien, il est de Aval. Aval, tais-toi et Aval. Tais-toi et Aval. Ah, tu es mina chamaï, mais non. Autre chose de dire, mais venez chez l'onin, av, adaïn, mitala yadout. Maintenant, il a déjà 14 ans, il a 15 ans, il a 16 ans, et alors quoi? Et alors, il a 15 ans, 16 ans, et quoi? Il ne s'est toujours pas débarrassé de la rosée de l'enfance. C'est joli ça. Il y a la rosée de l'enfance qui est encore sur lui, il est encore trempé de la rosée de l'enfance. La paresse enfantine. C'est encore un grand enfant. Pourquoi? Parce qu'il a 18 ans. Il a encore la rosée de l'enfance. Il a encore la paresse de l'enfance. Il n'a pas encore aucun regage sérieux. Tu lui mets la vie, c'est sérieux. Quelle vie sérieuse, un enfant encore? Le manque de regage devant les choses sérieuses tourne dans tous les coins de sa vie. אבל אין כאן שום שמטרה חיובית על זה שלו. ויהיה רעיין דמל, תוס כתשומו דקרי, סן גרונט אופן, סן פרסו, סן פרסו, אילו פסיריו. משסן רעיין דו שמטרה, יהיה רעיין דו מובי פרופון דמון עושה דאופן. שמטרה חיובית כתשוז דו קונקרטמן, קונקרטמן מובי, אילה רעיין דו קונקרטמן מובי. כס כאילו, סן גרונט אופן, סן גרונט פניאן. Il n'est pas sérieux, il traîne, il fait rien, il y a le point. Il y a encore la rosée de l'enfance sur lui. C'est poétique, ça, non, c'est bon, non? C'est bon, la rosée de l'enfance. Les vades, les bohères, les divrés d'Orara. Au contraire, son cœur, il est réveillé au divrés d'Orara. Ve'ara, la messe Batoura Ve'ara. Voilà, c'est vrai, quand tu lui dis, tu fais d'Orara, il est. Avalma, avalif baruto, et la kvora. Tu lui as fait d'Orara, il était content, tout et tout. Il était avec Bahel, mais 10 minutes après il a oublié. Mais c'est pas grave. Il n'a pas encore la maturité que la Hit Paralout, elle va rester en lui. Non, quand tu lui as parlé, il a dit quand même d'accord. Oui, il a été mitraillé dans ce que tu as dit. Mais il n'a pas eu la Hit Paralout qui va rester en lui longtemps, hein, d'accord. Tu vois, il n'a qu'au Béhad Aïdaïn, mais qui reboutira de voir. Vous, Israël, à Rot, elle est avec Karim. Et tous les matins, il faut lui recommencer la chose. Tu vois comme c'est beau ça? C'est très fort ça. La Hit Paralout. Qui fait que la Torah elle reste. Ah, il n'a pas encore. Il n'a pas encore. Il te dit Iyef Charles Ahmir Alaf. Rak le Moshro, le Gwarim Rakim. Moi j'ai reçu encore un coup de fil de parents. Ils sont débordés par l'enfant. Tatati, tatata, tatata, tatata. Quand ils ont parlé, ils parlaient. J'étais mis à bec. J'ai dit oh, le pauvre, il a une crise d'adolescence. Il doit avoir 16, 17, 18 et tout. Il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut, il sort de la maison, il claque, il frappe, il truc. 6 ans. Je lui dis, ouais, quel âge il a? 6 ans. Oh, 100 ans, j'ai 6 ans. À 6 ans, tu me décris un phénomène comme ça. C'est un enfant. C'est un enfant. 6 ans, il a. Et puis, il décrit le père et la mère, comme c'est comme un gars de 20 ans prochain, où il a deux doigts d'aller en prison. 6 ans. Vous n'avez pas mis ton rien, c'est lui le patron à la maison, tout ça et tout. Alors, j'avais donné quelques conseils. Tu comprends? 6 ans, mais quand il dit, attends, j'avais oublié que c'est un enfant. J'avais oublié que c'est un enfant, 6 ans.
Tu comprends? Imu haser biyadiyat ash-shuhur. Si pas tôt, il te rajoute au voilà. S'il ne connaît pas le shiur, la siba, c'est parce qu'il était. Il trachait, il n'a pas suivi, c'est pas qu'il est bête. Arrête de dire qu'il est bête, arrête de dire qu'il est nul. Il n'a pas suivi, c'est tout. Fais non, mais ça, dans le gamoussa. Il dit non, il n'est pas profond, il ne comprend rien. Arrête de dire ça, il n'a pas suivi, c'est tout. Ve aurada, oh, voilà. Les shiur tsaïr, le faire descendre, dégrader dans un shiur en bas. L'outassi qui est mévouka chato, mévouka chelo, tu n'obtiendras pas. Mais le truc, c'est qu'il ne l'écoute pas. Mais deux aïn, il n'écoutera pas non plus. Veillez la rouge, les chevirats à voir. Tu le brises, non? Qu'est-ce que tu as gagné? Quoi? Parce qu'il n'écoute pas en zaïn, tu crois qu'il écoute en aïn? Et en plus, tu le brises. Mais t'as raison, je merde, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ou bakachatan ou perusa. Et je demande, je demande. Je supplie les ch'tas del imo be'avotot ava. Soyez mitere be'ava. Les carvaux, les shkida, ou l'irak foa. Fesracham kafoul menacharet. Tu comprends? Tu comprends? C'est pas qu'il est bête, c'est qu'il n'écoute pas le shiro. Il n'écoutera pas même là-bas. Je t'en supplie, soyez mitere be'avotot encore une fois be'ava. Tu vois le chasonish? Chasonish, manach Hashem. Soyez mitere be'avotot be'ava. Tu comprends? Il te dit, ve'el makom le hashim et tachovavim. Le gosse, il arrive en retard de régression. Le cours reprend à 10h10. Il rentre à 10h12 avec le ballon au pied. Finition, privé de régression pour une semaine. Mais non! Doubler la régression. Puisqu'il rentre avec le ballon au pied, c'est qu'il a besoin de régression. Sa finition, tu auras double régression. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le prive de régression. Mais il te dit, mais hé, ma com, les hachim et ta chauvavine. Qui a l'eau aïe péré à Damulat. Ça, un homme, c'est un homme sauvage. Un homme sauvage, qu'est-ce que tu veux de lui? Il rentre en cours avec le ballon bien, encore un dernier coup de ballon. C'est le Khazanich. Khazanich te dit, elle m'a comme la Hashim et Tachouvavim. C'est le Shiur Khazanich. Shiur Khazanich, c'est un sauvage, qu'est-ce que tu veux de lui? Tu comprends? ועלינו להשתדל בכל, בזה בכל מחיר. בכל מחיר, תחוב כמו. סיימתי סובג'ה תאובו כמו, ז'נטימנט, ודיבור, ולפעמים ימין דוחה ושמאל מקרבת. הרי ימין דוחה ושמאל מקרבת. ולפעמים מקרב לשתי ידיים. Au contraire, il rentre en place avec le ballon, t'as tout dit, t'es délire de mon père, tu fais une passe avec lui. La dernière passe, il avait, mais tu le prives pas avec création, tu vas le passer. Mais c'est un sauvage, qu'est-ce que tu veux de lui? Tu te rends compte, Khazanich. Il te dit, on voit qu'il y a Kinyan Meshicha, Kinyan Hazaka. Hazaka, c'est un sabre dans le terrain, Kinyan Hazaka. Il te dit, mais il y a d'autres que Kinyan Meshicha est plus fort que Kinyan Hazaka. Tu comprends, le bonhomme, il va sauter sur le. Il saute, il a sauté sur le cheval, et l'autre, il a fait Meshicha. Kinyan Meshicha est plus fort. Donc, il est dans le point qui nous sort. Meshicha, c'est plus fort. C'est beau. Et Anhaga Beder Raka. Anhaga Beder Raka, tire-le. Yoter, tu vas venir. Hier, j'ai fait un coup, les enfants. Maman, j'ai fait un coup, mais pense à moi. Il y avait un gosse là-bas, au Kino Batmaï de Ranana. Le problème, c'est pas ça, il est comme ça. Un ours. Un tapeur, mais. Tu comprends, il a que ça. Donc, quand il a rigolé, non. Il a descendu tout ça et tout. Mais il ne peut pas, c'est ce qu'il dit, mais il est là. Tu vois, et l'autre, c'est un petit fin comme ça. Il colle. Le directeur essaie de le séparer. Rien à faire. Il colle le directeur, tout ça. Le directeur, en se séparant, il appelle le père. T'as vu la carotte de il tu vas bien. Et le père, ça me paraquait comme ça. Il est dans un câblage, il était sur les échafaudages et tout. Il arrive, la main pleine de plâtre et de trucs comme ça. Il dit quoi? Je vois le père, je comprends le fils, sûrement. Il dit, le directeur, j'ai tué. Et moi, le gosse de loin, je ne dis pas son prénom, mais c'est là. Je dis, de moi, je me suis bon. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il vient, je lui dis, tu sais, tu as raison. Tu as raison, il t'a fait la grimace. Tu l'as connu, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a raison? Si on a raison, alors on cogne. Là, tu peux le tuer, après tout.
Où tu habites? 31 Rehov Maccabia, madame. Tu connais qui c'est ça? Ah oui, on a dit, ah oh, mince! Mais c'est trompé l'adresse. Alors je lui ai dit, tu sais quoi? Shabbat, je viens de rendre visite. Shabbat, je viens de rendre visite. À 3h30. Et moi, je t'ai crevé, il y avait du barman, je sais pas, et tout le monde fait boire et tout, j'étais fihala, c'est ça. Fihala, complètement. À 3h30, je me suis réveillé de force, j'ai mangé, je sais pas, nanana. Et moi, je marche, c'était loin. J'arrive, je trouve pas la maison, premier étage, deuxième étage, troisième étage, il n'y a pas le nom sur la feuille. Je redescends, la porte de l'immeuble, je vois, je cherche, elle claque, je remonte. Et à ce moment-là, je vois au premier étage une poignée qui bouge comme ça, hein, et la porte s'ouvre. Et l'enfant était là. J'ai entendu la porte claquer. Je me suis dit que c'est peut-être vous, vous êtes venu. Et il a mis réveiller son père et sa mère et son oncle, et ça dans toute la vie, je ne sais pas. Il ne disait pas un mot, tellement un truc, il sort deux verres d'eau. Voilà. 3 minutes après, 2 verres d'eau encore. En partant, il me prend la main. Mes parents, ils étaient en larmes. Tu vois, je lui ai dit, tu as cru que je ne viendrais plus. Parce que quand je suis arrivé, il était déjà 4h15 juste. Tu as cru que je ne viendrais plus. Il me dit non. Je me disais, il peut encore venir. Par contre, c'est pour ça, il peut encore venir. Après, je suis allé à la choupe, j'ai arrivé, j'étais crevé, faire mon chou et tout. J'ai dit, lui aussi, je n'étais pas venu. Qu'est-ce que j'aurais cassé dans le fait de l'enfant? J'aurais cassé quelque chose de irréparable. Jusqu'à présent, je danse de joie comme bien jamais j'ai eu le courage de le faire. Et quand il m'a dit, je me suis dit, il peut encore venir. Jusqu'à quand? À un moment, Laura Léo, son attente se serait transformée en tristesse profonde. À quoi j'aurais dit après, j'étais fatigué, j'ai pas pu venir. Hachem a dit, vas-y quand même, allez. Un bonheur, tu comprends? Kara, tu vas, Béhava, patience, tout ça et tout, c'est un enfant. T'as Mili, mais je vais voir à l'école des attachés le mercredi, ça sera un autre enfant. Je suis sur un autre enfant, c'est fini, c'est un autre enfant. Tu comprends? Tu l'avais avec l'Ipsaï. Alors on continue, il a dit comme ça. Donc ça c'est. Vous comprenez? Donc Sablanou, Midatova, les plus grands que les Malachim. Tu lui montres comment ta révoto. Rappelle-toi que c'est un enfant. Emakom la chimie ta chouvavim. C'est un sauvage, amen. Et après, d'ailleurs, on te dit comme ça, quand un enfant il passe par la porte, alors les parents se soucient, peut-être qu'il est malade. Parce que derrière que la lire rentre par la fenêtre. Tu vois? Enfin, il est peut-être malade. Emakom la chimie ta chouvavim. N'essaye pas de faire ce que tu vois. Non, la chimie d'accuser. Ah, les Hachim. De condamner. Tu comprends? Les Hachim. Ne condamne pas. C'est un enfant. Tu comprends? Maintenant, quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Kinyan Meshira, mon ami. C'est mon cher. Kinyan Meshira, c'est mieux que Kinyan Chazaka. Tu comprends? Shanaga Vedere Raka, Yoter Tova, Vedere Raka. Et ça, ce qu'il dit là, j'ai entendu Rav Lefkovitch. Il rapporte que Rav Lefkovitch l'a dit au Razonich. Et moi, Rav Lefkovitch me l'a dit à moi, au nom que le Razonich l'a dit. Que quoi? Il y a marqué dans la Mishnah, Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Ohev et Abriot, c'est uniquement à l'aide d'un va que tu peux être Mekarvan la Torah. Mais Zachiti, que Rav Lefkovitch lui-même, il me l'a dit. J'étais très ému de revoir cette phrase. Tu comprends? Un Mashgiach. Mashgiach, nous les parents des Mashgiach, comme le Yeshiva de Mashgiach. C'est quoi le tafki du Mashgar, il a dit. Ricard a tafki du Mashgar, ou liot, osem kacheret à ta médium. Un Mashgar, c'est pas quelqu'un. Il dit, c'est vrai. De temps en temps, il dit des sirotes et tout. Enfin, c'est pas le Ricard. Le Ricard, il est là et il entend. L'enfant, il veut parler, il entend. Moi, quand je vais là-bas à l'école, je m'assois et j'entends. Il m'a dit, il m'a fait, il m'a fait, qu'est-ce que tu veux faire? Entends, osem kacheret. La plupart disent, Non, Ozen Kachevet. Tu comprends? Regardez ça, c'est une histoire terrible, ça. Maganan Hazonish, Shama, chez Adam et Had, Maked, Beno Agadol, Makot, Matsot. Il frappe son fils, Kevin Chilorasa, Ishmael Bekolo.
Et l'enfant, il est venu chez une vie, il dit, mon père, madame, qu'est-ce que je fais? Amar l'or à Zonich, à Falpiken, il me l'a rossé chez l'Oyazé. Si l'enfant ne veut pas faire, eh bien qu'il fasse pas. Car à l'eau par médecine, on ne tape pas des enfants. Si l'enfant ne veut pas faire, qu'il ne fasse pas, qu'il ne se soutienne pas. Je ne sais pas qui c'est qui est venu pour le Razonich, c'est son rave ou quoi. Amar l'or à Zonich, à Falpiken, il me l'a rossé chez l'Oyazé, car à l'eau par médecine. Et il dit, sauf Aya, chez Kolbana, Viardou, Bédéré, Rabat. Tous. C'était une famille importante de Plébra, tout cerveau. La main, il est frappé, alors qu'ils étaient en grande. Il leur dit ça, ça y est, c'est l'heure. Il dit, voilà, ici je vais, voilà. Voilà, ça joue ça, ça frappe. Il te dit, l'eau, voilà. Ah, le ravarier Lévin, ravarier Lévin. Il te dit, nous les parents, on a une clé. Qu'est-ce qu'une clé sert à quoi? Qu'est-ce que tu fais avec une clé? Tu ouvres la porte, pourquoi? Pourquoi? Tu ouvres la porte, pourquoi? Ou tu fermes la porte. Ou tu la fermes. Voilà, on a une clé. Avec une clé, ou tu ouvres, ou tu fermes. Tu comprends? Et bien nous, les parents, notre clé, c'est pour ouvrir le cœur des enfants. Attention de ne pas fermer le cœur. Elle est belle. Nous, c'est la clé, nous sommes la clé, David. Tu comprends? Donc, le mafter, ça veut dire l'iftoah et la lèvre. כדי שיכנסו לתוך הלב התורה והמצוות. ואם טועים במלאכת הקודש, יכול המפתח לסגור. לסגור! Tu la fermes définitivement le cœur de l'éternel. Tu comprends? Incroyable. Et de dire à Varier Lévin, באהבתו הגדולה, לכולם, הצליח תמיד לפתוח את הלב. ודבריו שיצאו מלב נכנסו ללב. Il te dit une fois même, un חילוני l'a dit, לא רק שהרב הוא אדם טוב, אלא שהוא היה עושה גם אותנו לטוב. Il faisait de nous des gens bien. Compris comme c'est beau? Voilà, gros gros d'Atslore.